important, c'est que ce lotissement, ces résidences deviennent un lieu de vie qui correspond mieux, effectivement, aux aspirations des familles d'aujourd'hui. C'est une conception nouvelle, c'est vrai. Mais à cela aussi va s'ajouter d'autres espaces que nous avons créés, une maison commune où ils pourront se voir tous ensemble, discuter, l'association qui va être créée, et puis des espaces dédiés à des enfants, spécialement pour les enfants bas âge et puis ceux qui sont un petit peu plus âgés. Tavana est naturellement très heureux, il soutient bien sûr ce concept. Et comme je leur disais tantôt, après, le travail n'est pas terminé parce qu'il faut gérer. C'est environ 300 à 400 personnes qui vont venir sur Paris, vivre dans ce lieu. Donc il faut les organiser, il faut les suivre. Et quitte, comme on l'a fait à d'autres endroits, à y mettre un agent de police qui va habiter avec eux, qui va veiller à la sécurité, voire un responsable religieux qui vivra avec eux pour promouvoir la paix. Enfin, il y a à suivre sur ce genre de projet. Bien sûr que nous avons remarqué que dans d'autres lotissements, le fait de l'apport de personnes extérieures à la commune vient déséquilibrer la cohésion des populations de la commune. Bien souvent, effectivement, et ils sont pointés du doigt. Ils sont pointés du doigt et puis en fin de compte, ça crée des clivages, ça crée des PPA. Donc il faut effectivement que majoritairement les personnes qui vont intégrer ces logements soient de la commune de Païa et soient connues de Païa et l'esprit Païa. Là, on a progressé en matière de distribution de logements pour réserver aux personnes de la commune un quota de 80% et le reste encore, c'est à discuter avec le maire. Il faut qu'on regarde comment on peut le faire. Et oui, la grande majorité des logements seront affectés aux populations de la commune.